aborder. Donnez parole, mon Dieu. Donc, une parole à Dieu pour aborder. Pendant qu'on va citer les promesses que mon Dieu fait. Citer les promesses de son alliance. Dans la prière de Daniel. Eh bien, nous avons dit que malheureusement, de nos jours, en tant que croyants, qu'à prier, mais écoutant, la Bible, est en ligne fermée pour nous. Elle dit, par contre, la parole, on va prier selon la parole, on va prier certaines fois pour satisfaire nos capacités, besoins charnels. Mais, la Bible est en ligne fermée pour nous. Je vais vous dire que nous connaissons volonté, mon plan monté dans tel ou tel sujet. Donc c'est important. Eh bien, Daniel n'a prié que connaît pour même monter. Eh bien, il montre que l'on prié, c'est l'on pour même monter. On n'est pas capable de prendre des prières, on n'est pas capable de prendre la prière, parce que sans prier par les abondés, c'est parole qu'on va pour accomplir. Et même on va la prier, parce qu'on va prendre des orations, même on va la prier pour le monde qui n'a pas compris quand même. Mais plein de monde pour même, parce qu'on va être bagage important. Souvenez plein de monde qui a compris dans la vie, vous pouvez prier. Vous pouvez prier. Mais cependant, si Daniel, vous mettez, vous faites citation ça, pas d'abriver. Pour plein monde à accompli. T'as bien tant d'autres serviteurs que t'as pu demander pour l'accomplissement de son plan. Mais, Daniel, son bon exemple, homme de prière, et puis qui prie de mon Dieu, la volonté de mon Dieu, et puis mon Dieu, même l'unité à vie. Je vous ai dit là, nous joignons, j'ai appris de vous pas montrer que vous avez intérêt à ça. Daniel, priez mon Dieu, pour mon Dieu, accorder, nous avons pu ça, nous, c'est une corde. Évidemment, Daniel, c'est concernant la miséricorde de Dieu. Daniel a cherché mon Dieu, nous avons dit que dans une prière passionnée. Une prière passionnée. Passion, l'homme est passion. C'est-à-dire que vous n'avez pas dormi, sans passionné, c'est loué. Ou lever, c'est loué. Côtoyer, sans passionné, c'est loué. Mais c'est pour ça Daniel T. Daniel T. qui est patient pour volonté mon Dieu. Donc, dans prière passionnée, ça, eh bien, Daniel a cherché mon Dieu. Non seulement prier, mais jeûner aussi. Il jeûnait le prier. Nous capables de dire que, là, nous considérons comment Daniel était en plein souci, en plein intérêt pour chercher mon Dieu. Nous n'avons pas dit que l'important pour garder les hommes comme Daniel, je vais vous dire. Les hommes comme Daniel, même nous avons le même nom, mais les hommes qui n'ont pas de répéter, et bien nous n'avons pas dit, c'est un caractéristique de Daniel. Homme de conviction, qui aurait été ferme dans mon Dieu, pas que c'est mon niveau aussi le plan social, mais niveau, nous n'avons pas dit que les spiritualités étaient beaucoup plus haut. Et les mouvements sociaux. On va voir ça. Parce que Daniel, quoi que tu dis comme deuxième personnage, oui, c'est le deuxième personnage. Mais, niveau spirituel est tellement haut, ou est-ce que ça va comme empêchement ou handicap pour lui pour empêcher le grand finalement? Alors, il y a un tout seul titre de 20 millions de temps, pas qu'à briller. Nous n'étions pas persévérés, nous n'étions pas qu'à dire, nous ne savions pas qu'à dire Alléluia. Un petit job de même. On n'est pas un gros job, non, quand on est Daniel. On va dans une autre position. Alors que mon Dieu, il compte tout le bagage, ça y est. Daniel, eh bien, il était ferme dans mon Dieu. Il était en contact avec mon Dieu. Il était senti bien dans mon Dieu. Et il s'était avancé en âge. Il est dans l'âge de 83 ans. Après avoir été passé 70 ans en captivité à Babylone, maintenant, il est dans l'âge de 83 ans.
Là, il y a des trois ans, et puis souvent, il y a des gens qui sont dans la salle, et alors certaines personnes, nous sommes toujours même dans une vie. Dans une vie, on y a, le monde qui va montrer qu'il y a un grand intérêt encore, il va y avoir une grande chose à défendre. Daniel, quoi, quand j'ai 23 ans, il y a un grand intérêt à la montée. Grand intérêt à la montée. Les lois qui sont dans la salle, ils gardent les lois. Les enfants, nous sommes capables d'Israël, nous sommes capables d'Israël encore en captivité. Maintenant, il y a besoin plus de lumière, il y a besoin plus de révélation, il y a besoin plus de compréhension pour comprendre ce qu'a fait là. Donc, c'est ça que fait Daniel qui a commencé à entrer en contact avec mon Dieu. Il a demandé mon Dieu pour mon Dieu faire quelque chose. Face à une telle situation. 70 ans. Mais, pendant tout le temps, Daniel passe à Babylone, Daniel n'a jamais oublié Jérusalem, ni la loi de Dieu. Daniel peut songer Jérusalem, elle peut songer la loi de Dieu. Malgré passer 70 ans en dehors de son pays, mais elle songe le pays là dans lui, et elle songe la loi de Dieu. L'important pour elle avec aujourd'hui, quel que soit le nombre de temps d'affaires dehors de notre pays, Haïti, mais pour nous songer pays, non, en même temps, tout, pour nous songer la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est lui-même qui fait nous quelque chose. C'est la loi de Dieu qui valorise nous, qui va nous importer aussi. L'important, quand vous dites toute loi qui vient en Parlement, que ça parle en pays, c'est à partir de la Bible, vous tirez toute loi ça. Qui m'a dit, pour accueillir, par exemple, étrangers. L'étranger qui n'a qu'un pour accueillir, pour recevoir, et puis pour prendre soin, pour aider. Si on a vu dans la Bible, là, eh bien, base à sortir, souvent il y a parlé des Canadiens, on dit, son pays d'accueil. Mais qui côté Canada joue une formation, ça, pour dire un pays d'accueil? Pas sortir l'autre côté qui est dans la Bible, là, qui m'a dit pour accueillir le monde. Et nous-mêmes, même, Paul m'a dit très loin, pour dire pour accueillir le monde qui perd de la foi. Accueillir le monde. Donc, il est important. Daniel, eh bien, savait que la captivité de Juda, eh bien, c'est à cause du péché de Juda. Daniel connaît et nous dit de mettre nos situations comme ça. Il savait aussi que Yahvé était rempli d'amour, compatissant, bon, plein de miséricorde. Et il comprenait l'alliance de Dieu. Daniel comprenait l'alliance de Dieu. Il stipule Simon Père. Simon Père. Signez-le. Oui. Cherche ma face. S'il revient de ses mauvaises voies, je vais exaucer les cieux. Je lui pardonnerai son pays, son péché, et je guérirai son pays. Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est-à-dire le pays de Finda et le pays agricole. À partir de ce moment-là, Daniel lui prenait parole. Ça y est, c'est une promesse, mon Dieu, et il campait sur la promesse de Dieu. Il campait ferme sur la promesse, mon Dieu. Je vous dis, eh bien, chrétien, vous allez apprendre à camper ferme sur la promesse, mon Dieu, camper ferme avec conviction, détermination, pour promesse être capable d'accomplir dans la vie, mais nous devons faire, mon Dieu, confiance. Daniel lui campait ferme. Eh bien, nous songeons la prière vie lorsque Daniel va déclarer que nous avons péché. Daniel va l'accuser. Quelque côté de la Bible, il va l'accuser l'autre monde, mais il dit nous avons péché. Daniel est conscient et sa culpabilité. Il est conscient des fautes et des péchés. Il dit nous avons péché. Toutefois qu'il n'a pas péché beaucoup de mon Dieu, nous n'avons pas servi avec même pour ça. Nous avons péché, nous sommes coupables, et bien la porte de la grâce est ouverte. Grâce mon Dieu n'a pas tombé, renversé sur nous. Mais nous conscients. Daniel, dans la prière là, dit nous avons péché, il est conscient, et que nous avons moyen de montrer la magie. Et simplement, à travers la Bible. Donc, eh bien, les sentiments, nous sommes capables de dire que Daniel n'était pas un sentiment
le sentimentalisme qui te pousse à dire la prière. Non. Mais c'est à cause de la connaissance de la parole de Dieu qu'elle gagne et peut prier. Pas le sentimentalisme qui te pousse à prier, mais des connaissances par la parole de Dieu, et ça permet de prier selon cette connaissance. On peut passer pour entendre, nous avons dit que Daniel dit, donne-moi Judas, sinon je meurs. Donne-moi Judas, ou bien mourir. C'est comme si ce n'est pas au char, on a tant bien sauté la bouche de Daniel. L'intercession, leur prier. Donne-moi Judas, comme Judas ou bien mourir. C'est-à-dire que s'il va être Judas sauvé, il va guérir son dette. C'est comme si ce n'est pas au char, on a sauté la bouche de Daniel. Et on peut le connaître, il a dit, mon Dieu qui s'allait, il a pour le méchant, il a pour mourir, c'est pour le sauver. Avec les prières, ça a eu, nous la volonté, mon Dieu, elle a prié pour demander, mon Dieu, et Dieu vous a sauvé. Surtout les peuples d'Israël, ils n'ont pas quelle promesse. Et sous lui, c'est une promesse que nous avons l'accomplissement. Donc, il est important. Je dis à combien de chrétiens, vous avez entendu les mêmes paroles, vous avez même pas de ça. Oui. Pour nation, le pays côté au sorti, le pays non chez nous. Oui, t'as dit même ça. Des fois, il y a excusé tes yeux. Nous accusons le monde. Oui. En particulier, nous avons dit que si nous avons dit, nous avons dit pour ça. Excusez-moi. Eh bien, Daniel, à Tcham, ils ont péché. Mais nous avons péché. À Tcham, ils ont péché. Allez, on a appelé les péchés là. Eh bien, là. Non, nous péchons. Puisque nous péchons, nous parlons de bon Dieu. Nous parlons de bon Dieu. Après Daniel là, eh bien, c'est une approche plus avancée. Une approche de sagesse et qui est importante, qui permet, parce que Daniel connaît la parole ça, et Dieu réussit aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Daniel connaît, nous qui orgueillons, nous avons qu'un avec vous, et tout le monde dit qu'il de la paix aux grâces. C'est ça que nous avons, mais nous vivons dans l'humilité, nous avons quitté l'orgueil entre nous, c'est donner sa grâce aux humbles. Donc, le programme, eh bien, de Dieu se concentre. Pendant que Daniel, il connaît ça, eh bien, il fait prier ça, il dit Seigneur. Daniel, concentre sur le Seigneur, vous dites Seigneur, écoute. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Seigneur, agis, ne tarde pas. Voilà. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas. Donc, ça c'est la prière de Daniel. Et puis il y a des simples, ce qui est la simplicité. Il n'y a pas faire une citation de parole, il ne pas faire une parole. Il dit bon, exactement ça continue. Et il connaît que notre Dieu est miséricordieux. Il dit que dans mon Dieu, mais pardon. Demandez mon Dieu, et Dieu est capable d'exercer sa miséricorde. Oui. Oui. Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute, premièrement, Seigneur, écoute. Il dit que le Seigneur est toujours disponible, disposé pour le faire. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Vous avez Seigneur qui nous parle de nous. Mais nous faisons une vraie prière pour nous faire. Il y a des confessions. Nous reconnaissons que chez nous, Kounia, le Seigneur agit. Il parle de nous. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Sois attentif. Agis, ne tarde pas. Donc, le Seigneur m'a dit, et Daniel m'a dit, le Seigneur pour agir promptement. Promptement. Ne tardez pas. Par amour pour toi, mon Dieu,
car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc le nom divin, le nom des grands noms, le nom des noms. Donc lorsqu'une prière ne concerne, rien d'autre que la parole, ou bien que le propre intérêt divin, l'intérêt de Dieu, elle ne peut pas rester sa réponse. Elle n'a pas de son prière ou un intérêt mon Dieu, dans le plan divin. Pas qu'à pas de réponse. Pas de réponse à prière. Donc, pendant que nous étions en train de dire tout à l'heure, nous parler un peu sur prière, la mienne d'Alicia, si elle avait demandé quelque chose sur la prière, la baïo, avant d'aller plus loin, si elle avait demandé quelque chose sur la prière, parce que nous, c'est la mienne des grands besoins, et que tout la mienne, c'est qu'on besoin de sang. C'est besoin pour que vous dites que quelque chose, c'est dans le code de mon Dieu. Dans le code bon Dieu. Des fois, dans certaines circonstances, nous avons besoin d'approcher auprès de Dieu pour aller ensemble. Nous, dans d'autres circonstances, on nous conserve avec nos individus, nous, une seule personne, et nous permettre de bagarrer, nous commencer le changement, commencer le fait. Une question, Samuel? Oui, pas de question. Donc, eh bien, nous avons Gabriel, le messager. Eh bien, Daniel nous capable de dire sans protestation, nous capable de dire c'est un homme de prière. Homme de prière. Nous, dans 4 des 12 chapitres de son livre, nous rapportons prière Daniel. Et nous avons dit environ 125 des 356 versets directs des prières de Daniel. 127 sur 336 versets directs des prières de Daniel. Donc c'est important, son chiffre qui est important, qui est capable de souligner. 127 sur 356 versets, eh bien, traité des prières de la Vierge. C'est un homme de prière. Un homme de prière. Un homme consacré. Au chapitre 2, il a prié jusqu'à ce que Dieu révèle joie. Au chapitre 2, Daniel priait jusqu'à ce que mon Dieu la révélation. Non seulement mon Dieu va révéler le rêve, mais aussi l'explication, l'interprétation du rêve. Notez bien que. Dans l'époque là, non seulement roi de Nebuchadnezzar est en colère, et les sages de Babylone, c'est les professionnels de Dieu, nous avons avoir menti. Hein? Roi est songeant, il y a possibilité pour roi qui songe sans arrêt. Il y a possibilité. Il y a possibilité. Mais, n'est pas l'être devant messieurs, pour demander non seulement pour dire qu'ils sont jeunes, mais après quoi pour interpréter la vie. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun roi, j'en demande un bagage comme ça. Pas qu'il n'y a aucun roi qui j'en demande un bagage comme ça, parce que ça va demander à lui, difficile. Daniel, il fait intervention lorsque la donne, ça il va dire de commencer à mourir. Il était compris par le message de Babylone. Il m'a dit, commandant Ajok, eh bien, pour t'aller pour faire du roi, il est dans l'univers, pour la côte de Dieu. Vous avec vous, je vais prendre le temps pour la côte de Dieu. Prends le temps pour la côte de Dieu. Quelle que soit la circonstance, la situation, prends le temps pour la côte de Dieu, pour la loi de Dieu qui s'est révélée, qui s'est dit, qui s'est fait. C'est ainsi que Daniel a le code bon Dieu m'a dit, une révélation complète, non seulement révéler nous, mais bien, qui sont les gens, qui savent que ouais, dans une minute d'homme, mais encore dans l'explication. En hein. Fait, les mots, vous statissez ça, que ouais, il devient la dernière,
Seigneur, quatre royaumes. Quatre royaumes. Quatre empires. Empire, ça y est, c'est eux qui t'ont mené. C'est eux qui les contrôlent le monde là. Principalement, le royaume de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, un homme qui a une autorité sous, eh bien, sous tout homme, sous vie, une autorité sous bien, qui a exercé autorité. Hein? Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'est bien. Et il a parlé en pile qu'on y a allé aujourd'hui de l'Irak. Sur le plan historique, on parle en pile de l'Irak. Eh bien, son ancien nom, Babylone. Eh bien, Nebuchadnezzar était une puissance dominante, une puissance sur l'empire, qui a pour expansion, qui a mené sous planète, qui a révélé Daniel toute bagaille. C'est ainsi que Daniel dit bien, nos roches qui se tient en haut. Bien, il tombait sur le statuant, il a débrisé. Il a laissé pour l'opinion. Et voilà, il dit une grosse montagne qui remplit toute la terre. Il dit, voilà, c'est le rocher des siècles. Voilà, c'est la pierre angulaire. Voilà, c'est Jésus de Nazareth même. Il dit, en fait, le royaume par la rétabli, il est renversé. Eh bien, nous sommes capables de tout le royaume que nous étions en pire du passé. Qui renverse nous, et qui dit pas ça, pour que les mots. Donc, mais, pour Daniel, il y a une révélation, ça, ça dépend du temps, ça dépend la prière, ça dépend la consécration, ça dépend aussi, c'est une connaissance qu'il y a déjà de la parole de Dieu. Oui, il y a une forme de conviction, de détermination, qui est ferme. Donc, tu as pris des mots de courage. Vous pouvez juste là, ce que mon Dieu révèle le rêve là. Au chapitre 6, il a prié et l'ange a fermé la gueule des lions. Toujours la prière de Daniel. Daniel priait, et bien, gueule des lions fermée. On ne peut pas dire qu'il n'est pas suffisant. Et cette prière, elle était utilisée contre l'ennemi par ses ennemis. Au chapitre 6, et bien, au chapitre 6, eh bien, on parle de bien-aimé auprès du trône céleste. Daniel 9, verset 23. Vous vous souvenez ça? Eh bien, pour Daniel, la prière constituait un travail. La prière, c'est un travail. Il devait en être ainsi pour nous aussi. La prière. La prière pour le travail pour nous. Et la prière pour le travail à faire. Et son travail de haut niveau, son travail qui est important. Il priait jusqu'à ce qu'il y ait une percée. Il n'abandonnait jamais. Daniel priait jusqu'à ce qu'il vienne une réponse. Jusqu'à ce qu'il m'en dise quelque chose. Non, on ne va pas qu'à prier, c'est prier pour prier. Il veut prier davantage. Ici, il continue de prier. Jusqu'à ce qu'un ange, l'ange Gabriel, lui apporte une réponse sous la forme d'une troisième vision. Donc, la portée nous donne l'aperçu de l'amour de Daniel. Il est intéressant de noter que Daniel a été éclairé. Les sens de la vision avant même qu'elle soit arrivée. Daniel 9, verset 22, 23, avant même la révélation, c'est pourtant que Daniel témoigne une certaine lumière sur cette vision. Le programme prophétique de Dieu sur les 70 semaines. Maintenant, le programme de Dieu sur les 70 semaines. 70 semaines importantes. Vous voyez, cette partie de la vision de Daniel parle des 70 centenaires. Daniel 9, verset 24. 70 centenaires, et l'on interprète comme étant des semaines.
chaque semaine équivalent à 7 ans. Chaque semaine, eh bien, c'est 7 ans. Dans la Bible, eh bien, le chiffre 7 représente l'achèvement et la perfection. C'est le nom de la divinité. Le nom de la divinité, c'est le divin. Eh bien, c'est l'action. Tandis que 6 est le nombre de l'humanité. Ce chiffre nous rappelle que dans le système de Dieu, les choses ne se concentrent pas à la vie, mais à la vie au temps parfait. Elle arrive au temps parfait. La vie se programme même de Dieu. Nous vont être programmés. Eh bien, c'est important. Le programme est fait pour faire, pour bagailler au fait. Pour Dieu, eh bien, lorsque le temps est accompli, Jésus-Christ vint dans le monde. Dans la chapitre 4, verset 4, lorsque la totalité des païens sera rentrée, Israël se tournera vers Dieu pour être sauvé. Donc, au niveau du chapitre 11, verset 27, eh bien, tu justifié, ça nous dit là, connaissant tout, Dieu, que peut dire les événements futurs avec exactitude. Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est le maître de l'histoire. Tous les rêves et les visions que Daniel a eues auparavant étaient hautement symboliques. Les visions symboliques. Mais la signification de celui-ci est plus simple. Il n'y a pas d'ambiguïté. Concernant la source et le contenu, bénéficiaire de ce message, Daniel 9, verset 23, Gabriel a fait clairement comprendre que celui qui était révélé, eh bien, était un décret divin. Plutôt par le décret divin, ça dit un décret irrévocable. Le décret divin, c'est un décret irrévocable. Personne ne va pouvoir évoquer un décret divin. Ce qui signifie qu'il ne pouvait pas être modifié. Il n'y a pas de modification dans un décret divin. Il s'applique spécifiquement au peuple de Daniel et à toute la ville sainte de Jérusalem. Le peuple de Daniel, maintenant, il est question de 70 ans de captivité, et bien, de Babylone. Le peuple a passé 70 ans de captivité, et après 70 ans, ça a été sorti en Babylone, qui a été retourné dans le pays natalio, alors que c'est ça Daniel qui a tant pour faire la libération, puis à la caillou, et c'est ça Daniel qui a tant, il a tout mis à la caillou, mais cependant, on a démontré plus que ça. Même si on a 70 ans, nous avons 70 ans naturels, mais il y avait aussi, eh bien, c'est une prophétie, oui, 70 ans prophétique, concernant le monde entier. Dieu n'est pas le Dieu des Juifs, seulement le Dieu des Juifs. Il est possible de tous les païens. C'est pour ça que souvent on parle de les trois entités. Trois entités. L'Église, Israël et la nation. Trois entités importantes aux yeux de Dieu. Et entités sont tellement importantes, même avec ce qui m'a donné le vie aujourd'hui, tout est bien que c'est pas un monde. Pas un converti, même on dit pas un monde. Pas un converti sans foi ni loi. Sans volonté, sans espérance. C'est ça nous dit. Mais comme Dieu ne fait pas exception de personne, c'est ça pour dire à Ephésiens, lui qui est Dieu qui n'a fait qu'un, il a renversé le mur de séparation. L'inimitié. Donc, et alors, mon Dieu, il y a un plan pour pas rien, hein, ça va bien accès et bien rentrer dans le plan mon Dieu. Dieu a 6 objectifs à l'esprit et on peut répartir en 2 catégories. 6 objectifs, on peut répartir en 2 catégories. On ne peut pas prendre, eh bien, les catégories,
Ça va dire les droits, les papiers, c'est faire cesser les crimes. Faire cesser les crimes. Mettre fin au péché. Expier la faute. C'est pour abréger. Concernant les faits, voter le péché, c'est donc les côtés négatifs de la délivrance. Le côté négatif de cette délivrance miraculeuse. Les trois autres amenaient la justice éternelle. Accomplir la vision et la prophétie. Rendre les saints des saints. Bien, ça traite l'établissement de la justice. Et il s'agit donc du côté positif de la délivrance. Donc, de quoi? Eh bien, les objectifs de Dieu. Tu es à 6 objectifs à l'esprit. Vous êtes capable de partir de tout ça en 2 catégories. Première catégorie, A, les droits pour la dame. Les droits premiers, dit, faire cesser les crimes, mettre fin au péché, expier la faute. Ce sont les droits premiers. Droit dernier, concernant le fait d'ôter les péchés, c'est donc les côtés négatifs sur la délivrance. Maintenant, les trois autres, amener la justice éternelle. Amener la justice éternelle. Accomplir la vision et la prophétie. Rendre le Saint des Saints. Donc, ça traite l'établissement de la justice. Il s'agit donc du côté positif de la délivrance. Hein? Alors que dans 70 semaines de la parole, 70 semaines prophétiques, Daniel là, comme on dit hier soir, on dit que dans ces premiers temps, on dit que c'est cette semaine, 7 ans, et bien vous dire c'est maintenant, commencer du coup avec une construction du temple, construire le temple, vous commencez à partir de là, et monter au EP, 7 plus 62, plus bon 69 semaines, et monter au EP, dans 69 semaines là, et puisque dans 69 semaines là, beaucoup dans 70e semaine, beaucoup dans 70e semaine, dans 70e semaine. Mais 69e semaine, non? Même si la 69e semaine plus quelque chose, il a toujours été 70e. Parce qu'elle n'est pas arrivée dans 70e, elle était dans 69e. C'est important pour nous comprendre ça, elle était dans 69e. Parce que, pensez bien que Daniel, nos parenthèses là, parce qu'on a rien de lui. Si ça apporte le poil même révélé, dès qu'on a parlé, il a parlé de l'église là, son mystère, il va déjà révélé aux autres générations, et bien c'est des parenthèses là même que Paul a parlé. Daniel va qu'on a rien de parenthèses là. Donc, ces parenthèses là, et vous considérez comme des, ici là comme des temps infinis. Des temps infinis, ça veut dire que nous ne pouvons pas parler le long des temps. Nous ne pouvons pas parler le long des temps, parce que l'année de grâce là, ça fait longtemps que nous commençons, et nous continuons toujours. Jusqu'à présent, la paix est en grâce là. Donc, c'est important. Mais, comme nous connaissons, l'année de grâce là, qu'il faut le faire, la dispensation de grâce à l'école de l'enfer, lorsque la dispensation de grâce à l'école de l'enfer, et à partir de ce moment-là, nous allons tomber dans 70e semaine
de Daniel. Parce que le 12e, c'est même prophétique là. Qui est là tombé dans son ancien prophétique, c'est même prophétique là. Eh bien, songez bien. Moi, le temple, j'ai déchiré. Je dis qu'on va commencer en bas, en haut. Ça veut dire que c'est le divin qui a agi. Ce n'est pas l'idée. C'est la divinité de l'action. Et lorsque voit le temple déchiré, il est montré, ça veut dire qu'il n'est plus question de la loi. C'est fini. La loi, c'est fini. La loi, c'est bien comme vous. Et bien, c'est Jésus-Christ, ça a même décidé de Nazareth. C'est là, il descend. Il descend. Il dit, moi, l'église, elle redescend sur le ciel. Là, quand il est dans les airs, elle dit, l'église va rencontrer. Et à partir de ce moment-là, 77, c'est maintenant, eh bien, la force. C'est la question. Je me dis, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais par une question, et bien la vie, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, programme mondial n'a pas compris quand même. Plan mondial n'a pas compris quand même. Et, le cas où le plan mondial n'a pas compris, c'est que vous-même n'a pas compris positivement dans la vie, vous allez vous dire gloire. Parce que le monde, le plan mondial n'a pas compris négativement dans la vie, parce que le plan mondial n'est absolument pas capable. Ça va accomplir quand même, plus ou non pas. Les hommes mettent contents, mettent fâchés, pour que le monde y accomplit. Donc, et bien important, pour vous tenter l'attention, vous voyez, eh bien, lorsque le monde y a accompli, comment, comment ça, eh bien, la fête, comment accomplissement, la fête. Nous parler encore des trois premiers objectifs, eh bien, en principe, atteint lors de la première venue de Christ. Les trois premiers objectifs atteints lors de la première venue de Christ. La première venue de Christ et accompli trois premiers objectifs. Il est important pour nous songer une dimension de six. Trois premiers accomplis lors de la première venue de Christ. L'accomplissement en ce qui concerne Israël. La nation aura lieu lors de la seconde venue de Christ. La nation retournera véritablement vers Dieu. Et alors, les trois derniers buts se réaliseront également. Trois derniers jours, il n'y a pas accompli, c'est lorsque, eh bien, Israël va reconnaître le Messie. Lorsque Christ va descendre sur terre, lorsque tout Dieu va ouel, lorsque tout Dieu va ouel, mais ça trois derniers objectifs qu'il n'a pas compris. Gabriel lui-même vient invoquer un décret pour le rétablissement et la reconstruction de Jérusalem. Dans Daniel chapitre 9, verset 24, il peut s'agir du décret de Cyrus, publié en 538, 539 avant Jésus-Christ. Donc, où le semi, en temps de sexe, a publié, eh bien, en 458 avant Jésus-Christ. Ou encore, celui qui est à ta sexe a publié, eh bien, pour Néhémie, en 445, 444 avant Jésus-Christ. Donc, étant donné que la date de cette vision, la première année directe de Cyrus, ça nous a bataillé comme date la première année du règne de Cyrus. Et bien, l'urgence de la prière de Daniel et la promesse selon laquelle son père retournerait dans son pays au bout de 70 ans. Le décret invoqué est probablement celui de Cyrus. Il existe des intervalles de nombre d'années non précisées. Nous avons dit que dans le cadre des 70 ans exposés ici, le premier intervalle se situe entre les 7 semaines et les 62 semaines.
deux intervalles. Nous parlons maintenant, en fait, du premier intervalle. Premier intervalle, la chute accordée entre les 7 semaines et les 62 semaines. 7 semaines plus 62 semaines, ça donne 69 semaines. D'accord. On vient d'avoir 69 ans. Donc, alors, premier intervalle, c'est l'algida. Et pourtant, le second se trouve entre 69 semaines et la 70e semaine. Deuxième intervalle, là, l'algida qu'on a 69 semaines jusqu'à 70e semaine. Là. Et maintenant, nous vivons aux 69e semaine. Ok, mais spécialement, nous sommes capables de dire la fin même, à la fin, en fait, de la 69e semaine, à l'idée, et la parenthèse, en fait, nous sommes à l'époque même de cette parenthèse, c'est-à-dire l'époque de l'Église, à l'époque de cette parenthèse. Et donc, c'est important. Le premier intervalle, eh bien, marque la première venue de Christ. Et le second, eh bien, celle de sa seconde venue. Là, nous disons la première venue, pour comprendre bien, la première venue de Christ n'a pas parlé là, des esprits de la naissance. On va parler des étapes de Christ, la même de la première venue, n'a pas parlé de sa naissance. Sa naissance, c'est ça, nous faisons sur la première venue. On va parler des étapes de la Christ, là, nous parlons de la première venue. Là, nous parlons de la seconde venue, là, ça nous parle de la deuxième étape de la Christ. Donc, c'est important. Par conséquent, Il est prudent de reconnaître le déroulement qui présente en gros la Bible. Mais nous devons rester silencieux là où les Écritures sont silencieuses. En utilisant ce déroulement, le programme prophétique que voit Daniel, eh bien, elle est suivante. Tout d'abord, il y aura un décret pour la reconstruction de Jérusalem. Donc, c'est important pour que nous mettons ensemble. Bien de là. Donc, après la reconstruction, et bien également, dans les Isaïe 44, et bien, d'après ensuite, le prince Messie viendra. Après le décret de la reconstruction de Jérusalem, le prince Messie viendra. La date évoquée, peut-être soit l'annonce par l'ange de la naissance du Christ, soit l'identification par son père au moment de son baptême, soit sa première lecture publique à Nazareth. Eh bien, dans Luc chapitre 4, verset 14 à 21. Donc, c'est important. Soit encore son ange de triomphe par la Jérusalem. Au bout de 62e semaine, le Messie est crucifié. Sa mort est suivie du vote de destruction de Jérusalem. Donc, son lieu était prophétia dans l'évangile selon Saint Jean. Il dit que, eh bien, tant ça, après toi, je m'envoie, je l'avais. Mais t'as pas les vêtements pour aller, mais t'es contre toute prophétie. Il dit, déclaration à vous faire, c'est contre toute prophétie lorsqu'elle dit, pas que Pierre, sur Pierre, qu'après tu ne pas renverser. Ça vous fait de contre toute prophétie. Donc, c'est important. Donc, certains spécialistes, notamment des spécialistes des évangiles, considèrent généralement que cette prophétie s'est accomplie. Eh bien, 70 ans, nous sommes capables de dire après Jésus-Christ. Lorsque la légion romaine détruit Jérusalem, c'est fini au cours de la 70e semaine. L'Antéchrist s'élèvera.
au cours de la 70e semaine, eh bien, l'Antichrist célébrera les caractéristiques essentielles du régime de l'Antichrist sont une alliance d'une semaine. Une alliance d'une semaine, ça mérite une accent, c'est-à-dire de 7 ans. La rupture de cette alliance au milieu de la semaine, la rupture, l'arrêt de l'adoration au temple. La rupture de cette alliance, l'arrêt de l'adoration au temple, premièrement, et le lancement de l'abomination, le lancement de l'abomination de la désolation, selon Matthieu 24. Verset 15. Puis, la défaite et l'anéantissement de l'Antichrist. L'Antichrist n'a pas de défaite, mais il n'a pas anéanti. Voilà, ce scénario correspond aux activités de la petite corne, au chapitre 7, au chapitre 11, verset 26 à 45. Donc, et alors, c'est là que le Seigneur vient abandonner, comme une plante, tel guerrier, dans sa activité, dans la fin d'accomplissement, 70e semaine, avant public. Eh bien, ce Christ même qui a pris le sang du potentiel là, qui a pris le défunt, pendant que l'Antichrist a, il va le prendre dans la temple de Jérusalem, non? Il va le faire sur le ciel, tomber sous terre. Il va le faire alliance à Israël. Il va seulement avec Israël, il va faire alliance. Il va faire alliance avec les nations. C'est pour ces lunettes, nous allons mettre en bas l'équilibre. À travers Haïti, on est là. Mon mouvement, je vais parler de l'Empile. Oui. Donc, on va aller pour ça. Bon, ça, sur le compte, vous le comptez, vous parlez. Mais pour la guérison, nous avons une religion pour la paix, voilà. Oui, religion pour la paix. Elle était son mélange. Tout projet, ou non, maçon loge, roman, bambou, tout ensemble est pour ça, du mélange. Et alors, c'est qui nous est en lui-même, comme pour l'expansion, dernièrement là, pour jeune homme qui invite nous en barrière comme ça, donc, et puis on a des top bagues comme ça, mais. Même, je vais dire à on va peut-être qu'on parle avec nous, parce que vous connaissez que c'est action satanique. On a dit que le chrétien veut vivre dedans. Il est payé et puis pour la prier. Donc c'est important. Faut que l'on vous a accompli, parce qu'on vous a dit maintenant, eh bien, et il veut prendre fin. La prendre fin, et faut que l'église là, il est enlevé. D'abord, et après, faut que Christ fasse ses bruits rituels, ses bruits tactiques de rituels. Pour qu'il vienne, pour le mettre bien sur moi, les autres viennent, pour qu'on ait la fin d'année, pour Israël acclamer comme Messie, pour qu'Israël soit celui qui vient au nom du Seigneur, donc pour tout le monde, c'est au père, pour 70e, et bien, semaine d'année, accompli tout le fait, pour que guerre de la guerre soit faite, Christ va vaincre les nations par le souffle de sa bouche. La souffle sur eux, et puis après. Avez-vous? Oui? Cette cité, il va établir le royaume. Même le royaume messianique, le royaume de 1000 ans. Donc, c'est important. Nous sommes là, nous pouvons être nous prier. Seigneur, nous te remercions pour ta faveur, pour miséricorde, pour paix. Pour être dans la présence, pour nos paroles, pour nous mettre en application, pour nous vivre ces paroles-là. Les paroles, ça, elle n'a pas accompli dans la vie, nous, elle n'a pas accompli dans l'histoire. La pas accompli à travers la planète là, la pas accompli de sa côté, nous n'avons pas l'époque de parole, nous n'avons pas accompli. On va nous voir gloire et honneur, nous range comme une sévérité, nous porter sous fidélité, nous prenons, nous prenons confiance. Nous vous remercions pour le moment ça, nous remettons, reste pour moi en amène, mais nous allons continuer à vivre. Père, au nom de Jésus, nous prions. Quand même, on s'aime.